Bechem Hachem, Nase Venatzler, Shuv, Shalom, Uvracha. On est aujourd'hui mardi 8 du mois de septembre et puis le 19 du mois de Elul. Be'ezrat Hachem, deux prénoms, Yehudit et Lael. Le prénom qui avait été acheté, c'est Yehudit. Donc pour la Refouah Shlema de Shimon Ben Belda, ainsi que les Ilui Nishmat de Yosef Ben Moshe. Un bon Zivug Agun, Be'ezrat Hachem, une très belle Choupa. Bikarov pour Eliaou Ben Estrella, le Mashiach Bezrat Hashem pour tout le monde le plus vite possible dans la douceur, pour la Refouah Shlema en même temps de tous les enfants d'Israël, le Shalom dans tous les couples et tout ce que vous désirez, signé Vanessa Yehudit Tobelem, née de Madame Marciano, mère Estrella, si j'ai bien compris le message. Bezrat Hashem, Bracha Vehatzlacha, Ubesham Hashem, Sheniske, Lagdil Torah, Uleadira. Sans plus tarder, le nom Yehudit. Alors Yehudit, c'est qui dans la Torah Yehudit? Eh bien, on la trouvera dans plusieurs époques. Dans la Torah elle-même, Yehudit est la femme de Esav. Et on l'appelle Yehudit. Vous savez que le nom Yehudit est un nom très puissant. C'est un nom qui est composé du Yudke Vavke, avec la notion d'Alet et la notion Taf à la fin. Yud, mélange de rigueur et de bonté. Pardon, autant pour moi. Yud de Yehudit est empreint de bonté simple. He et Vav sont emprunts de bonté absolue, d'Alet, bonté absolue. Donc la racine, c'est vraiment un très grand cœur, et on le voit dans le message, puisqu'elle demande pour tous les enfants d'Israël, comme une maman. Yud, bonté simple, et le Taf, intérieur, un peu de l'anxiété, voire de la dureté, dans le Taf qui finit la fin, c'est de la rigueur absolue. De l'important, le Taf, on avait dit que c'était peut-être pas top pour avoir des enfants, mais grâce à la prière, tout s'ouvre, car quand on a un nom qui finit avec la lettre Taf, c'est Taf du mot Tefila, c'est qu'on peut arriver très facilement à tout obtenir par le biais de la prière. Ok, ce sont en général des filles qui sont très sociales, agréables et ne se découragent pas facilement. C'est ce qu'on peut obtenir de la racine de Yehudit, qui veut dire la juive. De l'autre côté, ce qu'on pourrait tout de suite distinguer chez elle, c'est que des fois, au lieu d'affronter le problème, ce qu'on peut distinguer, c'est que fuit plutôt les problèmes, les disputes, et aime garder ce côté jeune et très positif de la vie. C'est pour ça qu'elle quitte très souvent les domaines de la dispute et des conflits, car elles veulent garder en elles ce côté jeune, tout va bien. Elles ont une très grande positivité au niveau de leur stratégie de vie, ce qui les amène à de grands résultats. Yeshbach och magdola meot, ce sont des filles particulièrement intelligentes, im koach ve otzma ve nechishut gvoah, avec un sixième sens, on peut développer chez elles aussi, qu'on peut voir chez elles aussi, une force incroyable dans leur personnalité, vehashpa al kol hasovevim ota, et d'une grande influence sur les autres. Mikoach ha yud kevavke, Dieu a quoi? Justement, au fait qu'elle ait les lettres de Dieu en elle, yud kevavke, bishma yeshba yecholot gedolot, elle peut arriver à de très 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 hauts niveaux, grâce aux lettres qui composent son nom. Ou kshaolechet bederach mitzvot bikdusha, quand elle va sur le chemin de la mitzvah, de la Yirat Shamayim, dans la sainteté, zocha lechaim tovim barukim, eh bien son mazal automatiquement prend une autre fonction, s'améliore et sa vie se rallonge, l'inatsel min amita, au point d'être sauvé même du décret du jour de sa mort. Kemo shekatuv leman shemi erichapi, car tout celui qui possède mon nom en lui, dit Dieu, eh bien je serai plus longanime avec lui. Et si elle marche sur le chemin de la Torah et des mitzvot avec beaucoup d'humilité, car elle a aussi beaucoup de yetzarim en elle, elle a une forte personnalité intérieure, faites attention aux mots, Bezrat Hashem, avec un grand yetzarara, puisque automatiquement les quatre noms de Dieu, là où il y a du miel, il y a du yetzarara, et quand elle se comporte avec beaucoup d'humilité, eh bien, elle arrive à remonter toutes les pentes et faire taire ses yetzarim, son yetzira intérieur. Yeshba mezek chom, ce sont des gens qui sont plutôt chaleureux, vechol azman imtset lelo minucha, et on peut dire qu'elles sont tout le temps en activité, tamid douza bitnoa, comme on vient de le dire, ou bederklal inocha, bederklal inocha ve'ena omedet al shela, ve'gam nimtset babayit, ba'avoda ou bechevra mishtadelet la'atim et atzma la'sviva. Alors, qu'on voit chez elle, c'est qu'on a vu que c'était une fille qui était plutôt agréable, qui sait très bien s'adapter à la situation et qui sait vraiment s'emboîter dans toutes les situations, avec les gens, avec la société. Si elle est avec des gens riches, elle saura se comporter en tant que telle. Si elle est avec des gens pauvres, elle saura se comporter en tant que telle. Ce sont des filles qui sont très positives et qui arrivent souvent à s'intégrer
à tout niveau, social et à toute situation. Isha Chiyuvit, donc il le répète, ce sont des femmes avec une philosophie de la vie assez positive. Malgré toutes les difficultés qu'elles ont rencontrées, elles restent positives. C'est incroyable. Chama, avec une chaleur en elles. Tova et Tznua, elles sont en général bon cœur et pudiques. Yesh Beshemze Kazot, le Shulet Bechol Makom Beyad Rama. Ce nom-là, par contre, bien, il est ou l'un ou l'autre. Je m'explique. Ou c'est elle la cheftaine dans tout, ou c'est elle qui suivra la cheftaine dans tout. Donc ce sont ou des filles qui sont gouvernantes ou gouvernées. Comme vous l'avez compris, elles n'ont pas de juste milieu dans ce domaine. Adaat Mishela Lochazaka, elles n'ont pas une forte opinion d'elles-mêmes, pas spécialement élevée. Elles ne se prennent pas pour waouh. Et on peut distinguer dans son comportement des fois un comportement d'enfant, alors qu'elles sont très matures et que leur intelligence est au rendez-vous. Elles ont ce côté d'aller toujours chercher des conseils, voire de l'aide, des personnes plus âgées qu'elles. Elles ne peuvent pas fréquenter par contre des gens jeunes d'esprit, des gens futiles. Ça ne lui parle pas trop, même si elles adorent ce côté un peu enfant. Mais elles rechercheront plutôt le conseil de personnes âgées, expérimentées, bacharaïques et responsables, kedesh yatzeg ota veadrich ota, car elles aiment prendre les conseils de personnes construites et intelligentes pour elles-mêmes monter sur ce même chemin et réussir plus promptement leur vie. Alors, ce qu'on peut aussi trouver dans le nom Yehudit, c'est qu'elles ont des moments où elles s'échappent du présent pour retourner dans le passé et de se souvenir de toutes leurs souffrances, injustices vécues, asher nisharu ptuchim, car elle ne les a pas fermées. Comme ce sont des femmes qui sont très chiyuvites, très positives, eh ben, c'est pas grave. Bon, il m'a fait ça, bon, mais c'est pas grave. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est qu'à l'intérieur, les blessures sont là. C'est qu'il la ramène des fois à vivre le passé, brouille le présent, éternise l'avenir. Ce qu'elle doit faire, c'est soigner les problèmes du passé. D'où l'importance, quand elle a eu un problème, d'aller en parler jusqu'à ce que la porte soit définitivement fermée afin de se ne projeter que vers l'avenir et pas vivre entre les deux. Elle doit s'efforcer de regarder l'avenir et pour cela fermer la porte du passé vraiment et non pas jouer avec en disant « Non, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. » L'onachon, il y a un problème, il est là et tu veux l'ignorer. Car comme on l'a dit en haut, fuis les problèmes, les disputes, car aime garder sa positivité. Oui, mais ce n'est pas en mettant la poussière sous le tapis que tu as nettoyé la maison. La poussière, tu l'as déplacée. On ne déplace pas un problème. On le soigne à sa racine et on le retire de sa vie. Et c'est ce qui lui manque. Et c'est pour ça que sa vie n'est pas au top du top. Parce que justement, à force de mettre de la poussière sous le tapis, eh ben, on finit par s'étouffer quand même parce que la poussière remonte à travers le tapis. Ken, c'est une machal. Yachol yot etzla, chazeshom kshaim beolada, beprad bebitna. Donc elle peut avoir malheureusement des fois des problèmes au niveau pour avoir des enfants ou même pour les mettre au monde. L'idée de tfila, chazaka, bezrat Hashem, par le biais de sa prière, obtiendra de très 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 bons résultats. Imma ser chesed tzedaka, surtout avec son chesed, la tzedaka qu'elle peut faire, tiske, liftoar, share, yeluda, bevracha. En faisant beaucoup de tzedakah pour avoir un très 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 bon résultat au niveau de la naissance, un bel accouchement et tout ce qu'elle désire. Voilà, c'était pour le nom Yehudit chez Tiske. On a essayé de vous joindre, d'ailleurs vous qui avez jeté ce chiour, vous ne répondiez pas pour vous prévenir parce que vous l'aviez demandé. Et maintenant nous allons passer à un nom très spécial, très peu donné, qui n'est pas biblique, Lael. Qui est Lael? Un nom, quand je dis qu'il est très spécial, c'est aussi une personnalité très spéciale. Ce n'est pas un nom de personne, spécialement, mais ce qu'on peut dire du nom Lael, ça veut dire vers Dieu, déjà. Et dès qu'on l'entend, on a envie de dire Lael Baruch Ne'imotitenu. Tout de suite, on pense à Lael Baruch qu'on a l'habitude de chanter le Shabbat matin à la prière de Shacharit. Donc, Shem sympathique, trois lettres. Beniré Be'ezrat Hashem, donc Lamed Lamed. Donc ça part du haut vers le bas, très grand potentiel. C'est un mélange de rigueur et de bonté avec une bonté absolue au centre, le Aleph. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de celui qui s'appelle Lael? Amash Ma'anien. Très intelligent.
première des choses à savoir, c'est qu'il développe une intelligence surprenante. Pas simplement intelligente comme on l'est tous, on a tous des degrés d'intelligence. Souvent, on voit des gens qui sont très intelligents, Chachaméod, Iloui, génie. Lui, il faut savoir que ce sont vraiment des gens, quand on s'appelle la El, Mamash, qui vont développer une intelligence Yetera. De quelle intelligence on parle, il dit énorme potentiel intellectuel d'apprendre non-stop et d'approfondir chaque chose. Toutes les études chez lui sont importantes, ce sont des gens qui sont mamash, très à l'affût de l'apprentissage, de connaître, de la connaissance de tout ce qui se passe. Ils ont une personnalité comme une espèce d'aimant en eux qui veut absolument tout savoir, tout étudier. Ils aiment s'asseoir pour étudier, ils aiment connaître, ils aiment dévoiler et découvrir la vie. On peut remarquer chez eux un côté introverti. Une fois de plus, comme on l'a dit, besoin de tout comprendre. La petite fille qui pleure, c'est pas grave. On est à la maison. Aime rester, par contre, anonyme et assez pudique. N'aime pas trop se montrer à l'extérieur. Ce sont des gens qui ont besoin, alors ça aussi, ça rejoint un peu un autre caractère qu'on a lu avec Ephraim dans ce domaine. Ce sont des gens qui ont besoin aussi de se retirer dans leur monde à eux. Non pas pour être à la recherche d'eux-mêmes, car par contre, les gens qui s'appellent la L savent déjà où ils veulent aller, où ils veulent guider leur vie et assez vite, mais ont besoin d'être dans leur monde à eux parce qu'ils ont besoin d'être en rendez-vous avec eux-mêmes, dans leur monde à eux, s'auto-analyser, s'auto-psychanalyser. Ils aiment bien être dans leur univers. Préfèrent travailler en général seuls, pas trop des gens qui aiment s'associer, sont assez méfiants et réservés, mais restent fidèles et Baruch Hashem, Yetzivim, ce sont des gens qui sont assez réguliers. Hein, ils aiment la régularité. Le petit défaut qu'on peut trouver chez eux n'est pas simple. Ce sont des gens qui sont très rêveurs. Ils ont des imaginations qui vont extrapoler au-delà de la logique, voire des projets extrêmes et remplis de fantaisie. Ce qui leur fait perdre un peu de temps. Alors c'est bizarre parce que d'un côté, ils ont les pieds très sur terre et de l'autre côté, la L, c'est le cas de le dire, ils vont vraiment... Là où les frontières de l'humain ne vont pas, eux, ils y vont, au niveau de leur personnalité. Il est très caractériel et assez têtu. Recherche la perfection et malheureusement demande aussi la perfection chez les autres. Il n'aime pas trop la médiocrité chez les autres, ce qui est dommage, car il doit accepter les autres tels qu'ils sont. Mais comme lui, il évolue grâce à sa caractéristique assez vite, ben, il trouve les autres des fois un peu nuls, ce qui l'emmène malheureusement à commettre l'erreur de juger, non pas favorablement, mais même voire d'ignorer carrément ceux qui sont autour de lui, malgré son côté très souriant et social. Eh bien, un côté un peu supérieur, un peu universitaire comme ça, ce qui n'est pas forcément bien. Ken recherche un peu la perfection et malheureusement la demande, voire l'exige aussi chez les autres. Il ne peut pas être ami avec des gens idiots, c'est sûr. Étudier au niveau du sod de la Torah, donc la L, ce sont des gens qui sont très spirituels, même s'ils ont vraiment les pieds sur terre, adorent étudier les secrets de la Torah, et en parallèle, tout à fait, les mathématiques, les physiques, les sciences, tous les métiers intellectuels sont au rendez-vous chez eux. Il a du mal, par contre, à exprimer ses sentiments, car son côté intellectuel l'emporte sur le côté sentimental, au point, un petit peu comme le nom Avner, de dire est-ce que je me permets de lui dire ou je ne me permets pas de lui dire, tout est au niveau du calcul, alors qu'il devrait apprendre un peu plus à libérer. C'est bon, ben dis-le, c'est bon. Dis que c'était super, ben dis c'est super. Ils vont plutôt dire si je dis que c'est super, à quoi ça sert? Est-ce qu'il lui a besoin de le savoir? Elle le sait déjà. Lui, libère un peu ce côté-là. Ce qui les emmène avec leur côté intellectuel et leur côté perfectionniste à avoir des défauts qui se développeront avec l'âge, comme n'hésite pas à critiquer. Ont besoin aussi de reconnaissance, si c'est bien, dis-le-moi, se perfectionne beaucoup et veut aussi perfectionner les autres dans leur entourage, a besoin de perfectionner, a besoin de donner, car ce sont des créateurs d'esprit, d'idées, qui vont de l'avant. Doit apprendre à s'ouvrir et accepter les autres avec plus d'humilité. C'est son travail, d'où l'importance pour lui d'étudier beaucoup de moussard afin d'être beaucoup plus humble. S'il ne le fait pas, c'est la vie qui viendra lui apprendre que dans la vie, ça ne marche pas comme on veut, même si on est très intelligent. De l'autre côté, derrière ce côté carapace d'intellectuel, on peut y découvrir un garçon avec un très bon cœur, vraiment.
mais qui doit savoir l'ouvrir aux autres et s'exprimer vis-à-vis des autres. Ce sont des gens qui grandissent en général assez droits, polis, Bezrat Hashem, et ils recherchent en général le paisible, la paix, la sérénité, mamash, et surtout leur sérénité intérieure. Ils ont besoin d'être toujours en harmonie avec eux-mêmes pour être hauts, qui vivent de la vie, c'est-à-dire comment réagir, comment réfléchir, mais ça ne les empêche pas d'avoir beaucoup d'humour, Bezrat Hashem. C'est garder aussi par contre des secrets, contrairement au nom d'Ephraïm qui a du mal à garder des secrets, les gens qui s'appellent à elle gardent parfaitement les secrets et respectent parfaitement les lois, car ils sont assez cartésiens. S'il n'est pas bien, ben, ça ne fait pas bien, il ne faut pas le faire, s'il faut le faire, il faut le faire, et ainsi de suite. Adore la Torah et la spiritualité. Sa nature, c'est d'être un petit peu solitaire avec eux-mêmes. Comme on l'a dit tout à l'heure, sont des gens qui sont assez méfiants avant de se libérer, avant de se confier, avant d'apporter leurs besoins à autrui. Eh bien, vont d'abord essayer de trouver toutes les solutions absolument tout seuls avant de le prodiguer à autres. Bezrat Hashem, il faut savoir que ce sont souvent des parents intellectuels qui aiment ce nom très particulier qui est le nom de Lael. On voit beaucoup de qualités chez lui, un côté un peu fermé, un côté un peu têtu. On voit en lui un côté caractériel, perfectionniste, qui aime la spiritualité, qui adore le sod de la Torah, qui adore apprendre, qui est un intellectuel de la vie. Mais sans Torah, il risquerait, chas v'shalom, de devenir une personne un peu professeur sans judaïsme. D'où l'importance de l'éduquer avec beaucoup de chassidout. Je pense que l'équilibre le plus grandiose qu'on puisse apporter à un garçon qui s'appelle Lael, c'est de lui apprendre vraiment la chassidout, qui va lui apprendre à plus se libérer, plus faire confiance, plus descendre au niveau des autres, car la chassidout descend là où il y a des juifs, partout où ils sont, et peu importe qui ils sont, ce qu'ils ont fait de leur vie, quel est leur niveau intellectuel. Un Lael avec de la chassidout, ça devient un futur rabbi de Lubavitch. Bezrat Hashem, parce qu'on y voit vraiment beaucoup de qualités, beaucoup de bonnes choses. Et puis c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, la El Baruch Bezrat Hashem, que sa vie soit remplie de bénédictions comme son nom l'indique. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'Amen. Et comme on l'a dit, Bezrat Hashem, pour le cours qui a été acheté pour Refuah Shlema de Shimon Ben Belda, un bon zivouk Bezrat Hashem pour Eliyahu Ben Estrella, si j'ai bien prononcé Refuah Shlema pour tous les enfants d'Israël, Todarva à Vanessa Yehudit Tobelem Bat Marciano. Bat Estrella, si j'ai bien compris. C'est pas très clair comme message, donc je m'excuse. Kol tov ve'litraot.